Bonjour, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien, surtout au niveau du moral. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu si le vaccin va changer la situation en France, notamment si cela va permettre une levée des restrictions ou du moins un allègement des restrictions. Voilà, donc c'était un peu la question que m'avait posée Max, donc je la reformule de façon à avoir une réponse claire. Est-ce que la vaccination va permettre un allègement des restrictions, voire la suppression de celles-ci? Alors, porte et nécessité. Alors déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand même, il y aura toujours des choses qui seront nécessaires, c'est-à-dire un peu des mesures obligatoires qui devront toujours être là. Alors, est-ce que la vaccination va permettre d'alléger les restrictions? Bon. Alors déjà, oui. À gauche, j'ai la réponse, hein. Oui. Il y aura déjà effectivement un allègement. Mais je pense qu'on aura encore les masques. Hein, puisque j'ai la carte du silence, et pour moi, c'est la carte du masque, puisque la bouche est masquée. En fait, là, on voit la bouche sur la carte, mais pour moi, étant donné qu'on a du mal à parler ou qu'on ne peut pas parler, c'est vraiment la carte du masque ici. En face, il y a les questions d'isolement. Donc, je pense qu'il y aura toujours les questions de distanciation sociale ou ce qu'on appelle les gestes barrières. Alors, méditation, bah, ça veut dire que si on considère que c'est la réponse, il va y avoir quand même encore une phase de réflexion, on va dire, au niveau de ces mesures. Mais dans un premier temps, pour moi, la réponse, c'est oui. Donc ça veut dire. Alors, j'étais en train de réfléchir au couvre-feu, parce que ça peut aussi être à la carte du couvre-feu. Déjà, dans un premier temps, il y aura certainement une ouverture davantage de commerce. Mais pour moi, ce qui reste, encore une fois, c'est les masques. Et alors un certain isolement. Alors savoir si c'est le couvre-feu ou si c'est les gestes barrières. Bon, les gestes barrières, c'est sûr, ça va rester, puisque j'ai la question d'isolement. Donc ça, c'est sûr. La question de distanciation aussi. Par contre, le couvre-feu, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, on va voir. Est-ce que la vaccination donc, va permettre de réduire ou d'alléger les restrictions? Richesse, éternité. Bon, ça va durer. Hein. Richesse, ouais. Ça veut dire aussi que c'est une mesure qui porte ses fruits. Hein. Oui. Bon, ok. Donc ça veut bien dire que les gestes barrières et les questions d'isolement ou de distanciation, ça va durer. Relativement facile à comprendre. Hein. Là, ça veut dire que les masques, c'est quelque chose qui est vu comme étant. Alors, prolifique si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'utile. Donc, on aura les masques et la distanciation sociale. Et là, au niveau de la réflexion, voilà, on a encore les masques hein, qui ressortent. Je pense que les masques, c'est vraiment quelque chose qui va entraîner de grandes réflexions, on va dire, de la part de ceux qui nous gouvernent, parce que ça ressort. C'est à la fois l'illusion et les masques, c'est assez amusant. Mais dans ce tirage, moi, pour moi, c'est encore le masque qui ressort. Donc, il sera encore là. Ouais, on a le désert. Donc, c'est toujours les privations, les restrictions. Donc, tirage relativement facile, hein. Oui, il y aura un allègement des restrictions. Mais on aura encore le masque et certainement encore une certaine solitude. Alors, on va voir sur la lumière ce qu'on peut dire. Oui, donc voilà, il y aura bien effectivement une clé qui va être trouvée, donc un allègement certainement. Hein. On va dire que la vaccination, c'est la clé en tout cas pour le gouvernement. Alors, ouais, j'ai l'adversaire après. Ouais. Et naissance. Ah, il va y avoir quand même des grosses controverses. Hein. Des gros problèmes pour le gouvernement, mais ça, c'est autre chose. Là, je suis un peu en voyance, là. Et là, c'est les gros problèmes, encore une fois,
auxquels va faire face le gouvernement, quelque chose qui va se développer. Ce n'est pas forcément le virus, hein, mais il y a quelque chose là. Bon, donc on va dire oui et non, hein, c'est-à-dire que oui, il y aura bien allègement de certaines mesures de restriction. Donc moi, je pense que le couvre-feu va être allégé. Par contre, il y aura toujours les questions de restriction par rapport à des réunions, si, par exemple, hein, puisqu'il y a la carte de l'isolement qui sort. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas se réunir avec trop de personnes. Ça va durer. Alors je pense vraiment, par exemple, au spectacle, ce genre de choses, enfin, si jamais ça rouvre, hein, il y a un certain nombre limité de personnes, on va dire, même dans les commerces, hein. Donc gardez en tête qu'il y aura toujours une restriction au niveau des interactions sociales, pour être clair, hein. Donc peu de personnes ensemble et peu de contact avec les personnes. Ça va rester. Et puis la distanciation, les gestes barrières. Là, les masques, ça va rester aussi. Bon, il va y avoir une discussion, une réflexion à ce niveau. Mais étant donné que je sors quand même la carte du masque ici avec la privation, c'est qu'à mon avis, ça va rester. Ouais. Bon, et là, on a bien une solution. Bon, voilà. Donc, petit tirage tout simple, hein. Donc, il faut tenir bon. Ça va s'améliorer tout doucement. Je pense qu'il y aura bien réouverture de certains commerces. Alors, ceux qui ont survécu, hein. Et puis, certainement un allègement du couvre-feu, la fin du confinement pour les départements, ce genre de choses. Mais on va rester quand même, encore une fois, dans nos distanciations sociales et avec les masques. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce vers le haut. Alors, il paraît qu'il faut le dire à la fin de la vidéo, donc je vous le dis, hein, parce que ça permet de me faire connaître. Je ne fais pas beaucoup de tirages parce que ça me prend toujours énormément d'énergie. Quand on se met à faire le tirage ou ce genre de choses, c'est vrai que, ben, moi, personnellement, ça m'épuise. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'encourager. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.